Est-ce que tout le monde est ready? Let's go! Alors, de nouvelles informations de quête sont disponibles au comptoir des quêtes. Où en étions-nous? Je ne sais plus. Alors, un monde plongé dans le chaos, se rendre au désert de Crozid via la map monde. Ah oui, les derniers trucs qu'on avait fait, c'était les trucs relous, vous vous souvenez Il fallait qu'on voit... Il fallait qu'on fasse les missions là pour... Je sais plus ce que c'était le bail. Ah bah attendez, on peut demander à Viviane. Viviane, alors, elle va nous dire. Que veux-tu apprendre aujourd'hui? Bah, la chronique. C'est quoi la chronique? Alors, que voudrais-tu savoir? Ah mince. Voir la situation mondiale actuelle et les étapes passées. Tout est sur la carte. Ok, ça marche. Que fait Clive à ce moment? Il rejoint le Fort Phoenix via Fange Brune. Clive a été chargé d'enquêter sur les rumeurs faisant état d'hommes bêtes descendus du nord sur le territoire rosalien. Il prend la route de Fange Brune avec Tyler et Wade. Ayant éliminé les monstres, il constate la progression du fléau noir. Enfin, ils se rendent au Fort Phoenix pour rejoindre la délégation d'Alwyn Roswell de son frère. Alors quoi? Alors, c'est pas du tout ça, au secours. Je suis en train de m'étouffer. C'était quoi le dernier truc qu'on a fait? Je sais plus. Ah! Résumé du dernier stream, tu as battu Dion, c'est vrai! Et on a appris pourquoi il avait câblé et on a retrouvé Joshua. Annabella ne nous a pas fait le plaisir de la buter et tu as pacifié certaines zones alliées. Merci, So. Merci beaucoup, So. Reviens quand tu veux, Clive. Oui, pas de soucis, Viviane. Donc, via la map monde... Ah mince, excusez-moi, ma caméra est peut-être un peu grande. Je vais mettre là. Nous allons nous rendre au désert de Crozid. C'est parti. C'est parti. Mince, vous avez pas le truc? Ah voilà. Quoi? Attends. Est-ce que l'image vous semble ok? Parce que la dernière fois, je sais qu'il y avait un problème de colorimétrie et tout. Je crois rêver. On se retrouve tous ensemble, comme autrefois. Pas le temps d'en profiter. Gab et les autres sont peut-être en danger en ce moment. C'est vrai. Désolé. Essayons d'abord de retrouver Yoté. Si Canver est assiégée, elle a sans doute un peu plus d'informations à ce sujet. Tabor n'est pas loin. On ferait bien d'accélérer. Ok, puis on est avec Joshua et avec Jill, les gars. Oh! La dinguerie. Là par contre... Là par contre on est bien. Ces vestiges vont pouvoir nous servir de pont. Restons quand même sur nos gardes. Il y a souvent des monstres près de ces ruines. Bam! Wow! Eh ben, non. Ça a été expéditif, hein. Waouh, waouh, waouh. Je crois que j'ai pas le choix. Fini. Ok, c'est terminé, Clive. Calme-toi. C'est terminé. Pas besoin de s'énerver. Bonjour Latif, hello! Je commence enfin à avoir un peu plus de temps pour passer ici, trop cool. Contente pour toi, en tout cas contente de passer ici pour FF16 et Valorant que j'ai suivi en lore, que j'espère que vos soirées respectives se passent bien également. Oh, Todo Bene, merci beaucoup, Todo Bene. Parle-nous de Yoté, Joshua. Elle est loyale, déterminée
et sait se battre. Un peu comme Clive, mais en plus agréable. Ah, bah super. Il n'y a pas d'autre choix. Je me bats contre des piafs. Wouah! Attendez, mais qu'est-ce qu'il a fait, Joshua, là? Adieu! Ouais, Joshua, calme-toi! Joshua, il envoie des gros faisceaux phénix. Un petit peu énervé, quand même. Tout de même. Parce que, en fait, là, quand je suis là, vous voyez pas ce qu'il y a écrit, donc ça me trigger. Ok, on se rend à Tabor, let's go. Ah! Domas, soldat Domas. Oh, purée! Emma Domas, soldat d'Almec mourant. Punaise. Je peux pas parler. Ça ne va pas. Que s'est-il passé? Vous êtes gravement touché. De l'éther stagnant, plus loin. Il a avalé notre campement en une nuit. Mes propres hommes m'ont fait ça. L'éther les a tous consumés. Il y a un village tout près d'ici. Tabor. On doit beaucoup aux habitants. Ils n'ont aucune chance. Ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas laisser ces monstres atteindre. Ok, bon, j'accepte. D'accord. C'est bon, il a l'air mourant, on accepte. Je m'en occupe. Merci. Notre campement est dans cette direction, un peu plus loin. Ils doivent pas atteindre Tabor. Pardonnez-moi, Seigneur Kupka. Reposez-vous. Ah. Bon bah, feels bad, hein. Le campement devrait être proche. J'espère que les éthériques y sont. Ok. C'est un de mes let's play préférés, celui-ci. C'est vrai, 100 mètres, cool. Comment ça se fait? C'est parce que le jeu est trop bien. Encore de l'éther stagnant. On en voit partout maintenant. Il faudra qu'on soit prudent alors. Ah ouais, d'accord. La purification par le feu. Ah. Ok, le piaf. À deux. Voilà. Éthérique vaincu, bien sûr. Bien sûr qu'on les a vaincus. Bon bah voilà, c'est bon. Je regardais pas l'écran, j'ai eu trop peur. Salut Phil, désolé. Désolé. Y a quelqu'un ? À l'aide ! Je ne peux plus bouger ! Ah, mince. Y aurait-il un autre survivant ? Oh, bonjour, monsieur. Mince, pardon, excusez-moi. Vous n'avez rien de cassé ? Non. Mais ces éthériques... sont-ils tous ? Je m'en suis chargé.
à la demande d'un de vos frères d'armes, avant qu'il n'attaque Tabor. Un autre survivant? Où est-il? Dites-moi. Il n'a pas survécu. Les Éthérex sont morts. Ils n'avaient plus rien à voir avec mes frères. Tabor est sauve grâce à vous. Tenez, prenez ceci. La Moulaga! Bon. Gain de niveau. Ok. Vous m'êtes familier. On se connaît? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Ah. Cette cicatrice. Ah. Ça me revient. Vous êtes Cid. J'étais à Kostnitsé quand vous avez tué mes frères. Oh mince. Je ne pourrai jamais oublier vos éclairs dévastateurs. Ah mince. Ma guerre avec Kupka est finie. Je n'ai nullement l'intention de vous affronter. Qui a dit que c'était fini? Lâche! Sortez votre épée! Le seigneur Kupka sera vengé! Ignorez la provocation. Avant tout, remettez-vous de vos blessures. Et revenez plus tard si vous le souhaitez. Je pense cependant que vous feriez mieux de consacrer votre vie à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais vous avez peut-être oublié votre serment au peuple. Silence! Je ne veux plus vous entendre! Alors raison de plus de partir. Il est beaucoup trop dangereux de rester ici. Non. Cette conversation. Vous ne m'aurez pas. Notre seigneur nous a dit que vous étiez un renégat, un meurtrier. Et pourtant... Bon. Je vais devoir vous porter. Écartez-vous de moi! La prochaine fois, j'aurai votre peau. Compris? Ordure! Vous ne perdez rien pour attendre, Cid. Un jour... Oh là là! Vous allez regretter de ne pas m'avoir achevé plus tôt, Cid. Je vengerai mon maître. Oh là, on souffle. Tu es prête? Wouhou! Chocobo! Ah, attends, il y a un truc à looter là. Deux secondes. Ah, il faut que je descende. Comment je fais pour descendre? Hop. Parfait. On y va. Plus vite. Allez, vamos. Ambroisie, ouais. Ah, parce que c'est ta fission aussi, du coup, j'ai vu, c'est ça, hein. Pourquoi tu aimes ce let's play? Ouais, carrément. Les images sont tellement belles sur FF16, c'est vraiment le let's play. C'est trop contemplatif, il y a trop de scènes incroyables. Tabor est proche. As-tu déjà mis les pieds à Tabor? Ça m'est arrivé, oui. Je vais me dégourdir les jambes. Où est le rendez-vous? C'est dans une maison à l'entrée du village. Elle nous attend à l'intérieur. Eh ben... Bonjour.
Sir Rosefield, c'est un honneur. Je m'appelle Yote, membre des Ailes Ardentes, chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosefield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes ? Une organisation secrète qui protège les Rosefield dans l'ombre. Eh ben ? Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phoenix lui-même. Il se charge d'organiser le rite de l'augure martial qui a lieu au Fort Phoenix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phoenix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yote m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yote. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert ? Votre Altesse, vous aviez vu juste. Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aeneriar. Cela ne fait aucun doute. L'Aene quoi ? L'Aeneriar. Joshua ? Ah, attendez ! On a un truc de fou, là ! Bon, alors attendez, on va d'abord lui laisser expliquer. Il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Ah ! Que pouvait-il bien faire au Dominion ? Lorsque j'ai appris l'implication de Valeud dans les récents événements à Crodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima, et j'ai demandé à Yote et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aeneriar a levé l'ancre peu de temps après le début des hostilités, et a fait voile vers le sud. Vers Canver ? Ce seraient donc des soldats valedois qui assiègent la ville ? Ou ce qu'il reste d'eux, oui. Et l'Aeneriar ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tarn. Eh oui, Barnabas. Attends. Oh non, le lore ! J'ai pas le temps. Au même moment. Chambre de commerce, ville libre de Canver. Mais sommes-nous vraiment à l'abri ici, dans la chambre ? Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés. C'est la fin de Canver. Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeant prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier ? Impertinent ! Attendez. Point lore. On est où, là ? Le Conseil républicain. La plus haute autorité législative et exécutive de la République de Dalmeki. Composé de 7 membres, le Conseil décide des grandes orientations politiques et vote les lois importantes. Hugo Kubka y siégeait en tant que conseiller à l'économie et disposait d'une influence disproportionnée jusqu'à sa mort à Crodrak. Le Conseil a désormais la tâche ardue de diriger un pays en désarroi, privé de son émissaire et de son cristal mère. Ok. Les villes libres de Canver. Une cité-état située dans le sud-est du Vert Ponant. C'était à l'origine une zone marchande qui prospérait grâce aux échanges avec les autres pays. Les villes libres profitèrent des insurrections qui touchèrent la République de Dalmeki pour prendre leur indépendance en l'an 857 du calendrier ponantin. Elles sont régies par un système parlementaire géré par les marchands. Les villes libres sont neutres et ne disposent donc pas d'une armée. Elles n'abritent pas non plus de cristomères. Chers membres du Conseil de Canver, veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, qu'en pensez-vous ? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien.
Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous. Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Nous vous paierons. Vous aurez tout notre or. La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot, votre ignorance vous déshonore. Votre Majesté, veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement Valedois. Comment expliquez-vous cette situation? Ah, vous ne le niez donc pas. Garde! Ah ouais, alors toi tu fais l'or. Faites-les enfermer au cachot! Oulala. Il suffit. Chlouk, chlac, chlouk. Créature pathétique. Ah ouais. Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut? Ah ouais, d'accord. La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées, et Mythos finira par être attiré ici, par la force de ce lien. Veille à ce qu'il soit bien accueilli. Bien, Votre Majesté. Viens, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. Aïe, 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 aïe. Lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas, hein. Vraiment. Il est pas cool. Hein. Pardon. Selon toi, Valeud est d'ores et déjà sous l'emprise d'Ultima. C'est ma conclusion. Au vu des actions de Barnabas ces dernières années, j'ai même l'impression qu'il coopère avec Ultima. Mais dans quel but? Que recherche Ultima? La tapisserie. Montrez-leur. Oula. Encore une. Au fort Phénix, à Souffle Drac, puis ici. Mais pourquoi? C'est ancien, une image pieuse. Plus rien ne subsiste de cette religion, qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du fort n'avait qu'une valeur cérémonielle. Rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les desseins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux, je pense que c'est Ultima. C'est un dieu, ou un être quasi-divin, dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tarm, qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima, sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive. En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai, il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yoté? Je t'en prie. Yoté, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canvert. Mais... Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ses protégés. Omia Lastelan Tuissa Gelis. Ils vivent cachés, mais leurs repères manquent de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de...
c'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous désirez, Altesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, je vous le promets. Oh. Ils sont sur le front. Au revoir, Sir Clive, Dame G. Nous vous sommes redevables, Yote. Au revoir. Allons rejoindre les autres. Merci, Major Teda. Merci pour les 14 mois de sub. Merci beaucoup. En pour effet, les 14 mois de sub. Merci. Je lui dois vraiment beaucoup. C'est pour acheter ou pour vendre? Bah écoute, on va voir. Acheter bracelet de diamant. Bof, ça sert à rien. Bibou, bibou, bip. Partition. 20 000 pièces, on se fait plus avoir. C'est terminé, ça. Ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est terminé. Tu as autre chose à me vendre? On va vendre Bien. Ça. Marché conclu. On va vendre ça. Tu as autre chose à me vendre? Bien. Et on va vendre Marché ça. Conclu. Fingard, on la garde parce que c'est une belle épée. Hop, écharpe Merci de soie, bien. On vend. Ça, on vend. Bien, marché conclu. Ça aussi, tu as autre on chose vend. À me vendre? Ça, qu'est-ce qu'on fait? On vend aussi. Bien, marché conclu. Ça, on Merci vend. Bien. Voilà. Bague de berserk. Waouh! Non, mais ça, alors non, on va pas les vendre, ça, parce que c'est quand même important. Voilà, bah voilà. Bonne journée. N'oublie pas d'acheter la partition à 50. Oui! On a encore combien de peaux à décharner? Arrête de râler et concentre-toi. Si t'abîmes le cuir, ça va mal se passer. Oh, il y a une quête ici. Argent à l'horizon! Qui parmi vous pourra saisir cette occasion? Ouais, moi je suis là. Seriez-vous un mercenaire par hasard? Je pourrais vous faire gagner un paquet d'argent. Ça dépend. Comment? Alors, bonne nuit, midi, maman. Écoutez, papa, il dort bien. Une caravane qui est passée par là récemment m'a communiqué une info juteuse. Un vieil ibis lugubre rôderait dans les landes de Kolava. Les ibis lugubres sont violents, soumis en permanence à des combats féroces. Peu d'entre eux sont de vieux os, mais ceux qui y parviennent ont une peau d'une valeur inestimable. Une peau que vous voudriez vendre? Éventuellement, oui. Mais je ferais beaucoup mieux de d'abord la tanner pour créer des merveilles comme vous n'en avez jamais vu. La peau d'un ibis lugubre est rare, certes, mais le cuir travaillé d'une bête âgée pourrait nous rapporter tellement plus que vous ne l'imaginez. Ramenez-moi la peau de cette bête et nous partagerons le butin de cette collaboration. Ouais, vas-y. D'accord. Partant pour les ibis. Ouais. Ravi de l'entendre. Nous vivons une époque bien difficile. Ce serait donc de la folie de laisser passer une telle occasion. Quittez à bord par la sortie est, mais prenez le chemin à l'ouest. Une fois passé par la porte de Tovni, vous vous retrouverez dans les landes de Kolava. J'attends votre retour avec hâte, mais surtout, un retour triomphant, bien sûr. Allez, hop hop hop. Ouais, bon, allez, on l'accepte comme ça. On part pour Ibiza. Hey, purée, mais c'est à 552 mètres sa mission là? Ouais, oh. Abusé quand même.
quoi. Cyril. Vos recherches avancent ? Oui, votre Altesse. Mon rapport sera bientôt prêt, je vous l'assure. Au fait, si vous cherchez Yoté, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection ? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phénix. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des Ailes Ardentes au service de notre suzerain, le sérénissime Joshua Rosefield. Je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche à Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Oh non, super fab. Alors vous aussi, vous suivez sa piste ? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître. Notre devoir est d'obéir au vénérable Phénix. Joshua ? Toute aide est la bienvenue, n'est-ce pas ? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent Phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir. Pour lui et pour vous. Quoi ? Acceptez ceci, Altesse. Broche obtenue. Ok. Cette broche vous permettra d'obtenir l'aide des compagnons de l'ordre, où que vous soyez. Je me retire, sérénissime. Bien, tenez-moi au courant. Compris. Bonsoir, Pompon, bonsoir, Wagon. Hello. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. Cyril était très... Tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua. Ah, Sir Clive. Malheureusement, je n'ai guère le temps de parler. Je m'en vais rassembler les rapports de mes confrères sur le terrain. Maintenant que vous portez notre broche, nos confrères sauront vous identifier immédiatement. Ok. Voix de l'or perdue. Bonsoir Lady Craft, bonsoir Loan. Bonsoir Akan, Dark Devil. Dark Devil. Bienvenue tout le monde, bonjour. Oh les vilains. Des orques. Alors débarrassons-nous d'eux. Ok, finito, Pipo. Bonjour, Citron. Hello. Encore des orques. Par le feu. Voilà. Voilà. Salut Nonep, bonjour. Merci Genpachero pour les 29 mois, merci beaucoup. Yo yo yo. Il coûte combien le jeu ? Bonne question. Clive, regarde. C'est un jeu PS5, un prix comme tous les jeux PS5 qui sortent. El fuego! Purification par el fuego!
Les Canverois ne se sont pas encore rendus. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Gab et les autres ? Il y a un entrepôt sur les quais où nous devions nous retrouver en cas de problème. Dépêchons-nous. Mince. 80 euros ? Ah ouais, quand même. 80 euros sur le PS Store, ouais. Eh bien. Eh ben c'est parti. Rapide comme l'éclair. Eh ben alors, j'ai cru que toi aussi t'étais tombé du haut d'une falaise. C'est une chose qui n'arrive qu'à toi, ça. Je suis content de vous voir. Vous n'avez pas eu de problème en chemin ? Rien d'insurmontable. Oh, j'en étais sûre ! Est-ce que par hasard ? Oui. Laissez-moi vous présenter mon frère, Joshua. Clive nous a beaucoup parlé de toi. Beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Je suis Mid Adol, mais tout le monde m'appelle Mid. Wow. Mademoiselle. Hein? Oh, elle uncle. Mon garçon. Oncle Byron. C'est vraiment toi. Oh. Je n'espérais pas te revoir toi aussi. Ces éthériques seraient donc contrôlés ? Ils en avaient l'air en tout cas. D'ordinaire, ils attaquent n'importe qui, sans aucune logique. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose de différent. C'est ce que j'ai constaté, moi aussi. Nous en avons croisé un bon nombre en chemin. Ils avançaient en rang, comme une armée, sous les ordres de quelqu'un. Ceux d'Ultima. Peut-être. Qu'en est-il des gens ? De Canver ? Morts, presque tous. Presque, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui se sont enfermés dans des bâtiments avant l'arrivée des assaillants. Certains dans le quartier marchand à l'ouest, et d'autres sur l'autre berge du fleuve. Si les éthériques trouvent une de ces cachettes, de lourdes portes ne les retiendront pas longtemps. Nous devons les secourir. Au plus vite. Qu'est-ce que tu proposes ? Séparons-nous en deux groupes. Je vais à la chambre de commerce. Pendant ce temps, va voir du côté des villas. Jill, tu peux accompagner Joshua ? Compte sur moi. Une fois là-bas, passons par l'entrée de service. Entendu. Et nous alors ? Mid, ton navire est prêt ? Hein ? Pas encore, je dois finir les réglages du moteur à mitril. Alors tu vas devoir faire vite. Même si nous trouvons les survivants à temps, nous ne pourrons pas les ramener à pied. Je vais faire de mon mieux. Veillez à ce que Mid puisse travailler rapidement. Tu peux compter sur moi. Je veillerai sur eux. Gab, Byron, on y va ! C'est Sir Rosfield, petite impertinente. Mais Mid, c'est vraiment un personnage. On y va ? Et toi, viens sur ton maître. Soyez prudents. Tous les deux. Toi aussi.
Oh là là, ça y est, c'est le moment de la séparation. La chute de Canover. Par contre, on en parle du fait qu'elle s'appelle Midadol. En route, Talgor. Allons secourir les survivants. Qu'est-ce qui se passe? Oh mince. Il faut ces orques ici. Lui. C'est bon, hein. Ok. Ce fort, je vous assure, j'aime trop. Voilà, qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il veut, Gandalf? Il y a des orques et des éthériques. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ici? Bon. Bonne nuit, Yoshi, au revoir. Oh!
Bonne fin de soirée, Yoshi, merci. Bim bam bam boum bim bam bim bam boum bam boum. Oh là là. Je dois faire le voyage. Thor. À moi, Titan. Wow. C'est trop chat. Salut DJ Paris, oui ça va bien, merci beaucoup, j'espère que toi aussi. Les pouvoirs de Titan, c'est waouh, c'est too much. Tu as l'impression d'employer un marteau pour détruire une petite fourmi. Bien, j'espère. Il est marrant aussi. Hein. Oh là 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 là. Excusez-moi, mais. Oh, il est gros celui-là. J'arrive pas à utiliser mes spells. Bien joué, Kalia. C'est l'endroit dont parlait Gab. Pfiouf. Il doit y avoir des survivants dedans. Il était stylé, ce gros orc là. Il était vraiment stylé. Où sont-ils? Mince. Alors Ultima est responsable de tout ça. Dans ce cas, je vais nous en débarrasser.
Oh là là, les animations, oui! Les finishers, boum! Voilà! La purification par le feu! Ah, nos ennemis, ok. C'est pas vrai! Ça, celui-là aussi, il est trop fort de fin. Parce que pour le coup, tu peux vraiment faire une brochette. Oh là 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 là. C'était donc vous, mon cher Mythos. Mince. Je me demandais bien d'où venait toute cette agitation. Oh, purée. Je vous reconnais. C'était vous, Arosalis, si je ne m'abuse. Vous travaillez pour Valeud. Que faites-vous ici, avec une armée de monstres éthériques? Des éthériques, vous dites? Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ah oui, d'accord. Ah, il est complètement zinzin. Ils sont purs. Ils sont... Ah ouais. Divins. Quoi? Leur quiétude a remplacé les cris des habitants de la ville. Vous allez payer pour ces crimes. Ah ouais. Fort bien. Je l'admets, j'étais impatient que cette opportunité se présente. Que le roi Barnabas me pardonne ce petit écart. Je n'abîmerai pas le réceptacle. Je me nomme Sleipnir Armbard. Et vous allez vous soumettre! Allez, Mythos! Mettez tout votre cœur au combat. J'en attendais bien plus de la part de notre cher élu. Il est en train de se faire fumer là. Mythos, si vous n'y mettez pas du vôtre, nous perdons notre temps tous les deux. Je vais donc devoir mettre le feu aux poudres. Quoi encore? Un cadeau de l'arsenal de mon roi, la lance Gungnir. Ouvrez bien les yeux, Mythos. Terminé!
que je lui mets. Qu'est-ce qu'il a, l'autre trou de balle, là? Hop. Il est foutu. Oh, let's go. Franchement, trop facile. Bref. On n'a même pas eu besoin de ce heal. Enfin, bref. Sleipnir, machin chose, là. Tel est donc le pouvoir de Mythos. Eh ouais. Mon roi. Ah. Ok. Ça tombe bien, on l'aimait pas non plus, lui. Clive! Tu n'as rien? Content de vous voir. J'étais inquiet. Malheureusement, on n'a rien pu faire pour eux. On est arrivé bien trop tard. Ouais. C'était pareil pour moi. Il faut qu'on aille prévenir Gab. Qu'y a-t-il ? Non, rien. J'espère. Ah ouais, j'allais dire, est-ce qu'il va pas... Oh. Impossible.
Ah. Tu nous quittes déjà, Mythos. Il était pas obligé de détruire la tour, il pouvait ouvrir la porte. C'est le roi. Exact. Vous êtes en présence de Barnabas Tarm. Le roi sans âge. Et le souverain de Valeud. Reculez. Mais c'est pas censé être le grand méchant de fin, ça ? Bien trop téméraire. J'attendais mieux de celui qui a défait le commandant de mes troupes. Mais il ne fait aucun doute que tu es bel et bien Mythos. Tu recèles un grand potentiel. Je le sens. Pourquoi tu m'appelles Mythos ? Mythos est le socle du monde. La pierre angulaire de toute création. Un digne réceptacle pour un dieu. Comment ça ? Je suis censé servir de réceptacle pour Ultima ? Eh ben... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne me laisserai pas faire. J'ai un but dans la vie, un engagement, envers les miens. Dieu ou pas, je ne laisserai personne s'y opposer. Alors tu t'entêtes à affirmer que tu es un homme et que tu disposes de ta volonté propre. Bah. Je vois, le maître avait deviné juste. Nous devons briser ta conscience. Elle est trop stylée, Shiva. Léo ! Joshua ! Par ici ! Le don des primordiaux gâché par un manque de... pitoyable. Oh ! Oh non, hein. Comment ça? Quelques heures plus tard. Environ des villes libres de Canver. Chantier naval des forges. Est-ce qu'il va s'en tirer? Le pouvoir de Phénix soigne les plaies charnelles, mais rien de plus, hélas. Pour le reste, ça dépendra de lui.
Alors si je comprends bien, vous avez construit le navire dans cette grotte? C'est un véritable port souterrain? Il faut dire que ce vaisseau regorge de secrets de technologie. Si on l'avait construit au vu et au su de tous, on aurait attiré l'attention. Ah, enfin. Alors, comment va Clive? Mon pauvre neveu. J'imagine qu'il a de la chance d'être vivant. J'ai cru qu'il était perdu quand vous l'avez ramené. Barnabas a lacéré son corps de part en part avec son épée, en épargnant aucun nerf. Mais tout me laisse à penser qu'il voulait le laisser en vie. Est-ce que tu en es bien sûr? Permettez-moi, Sir Rosefield. Ce n'est pas à vous de vous charger d'une telle besogne. Allons, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour mon pauvre neveu. Je sais, mais... Vous avez tellement fait pour nous déjà, en nous aidant à financer le repère et maintenant le navire. Je voudrais pas abuser. Clive a pris tant de risques, et tout ça, alors qu'il me connaît à peine. Décidément. Vous êtes tous fous dans cette famille. Bah, on sait pas ce qui lui est arrivé à Gilles. J'aime aider les gens. Oh, Clive! Tu vas mieux? Mon garçon! Et Gilles! Je veux juste sauver des vies. Il n'y a que ça qui me motive. C'est Sid. Je veux dire, c'est ton père qui voulait ça. C'est tout lui. On était morts d'inquiétude. Éleva le doigt. Plus l'ombre d'un éthérique en ville. C'est à peine croyable. Et Laineriar a levé l'ancre. Je suis prêt à parier que le roi était à bord. Clive. Jill n'a pas pu s'échapper. Comment ça? Quoi? Elle s'est interposée pour t'assurer une sortie. T'en fais pas. Non, c'est... Mais non, je mais c'est bon, ne vous inquiétez pas les gars. Mais oui, elle va bien. Moi aussi, j'en suis convaincu. Vous inquiétez pas, elle est ok. Je perçois encore le flux de l'éther de Shiva. Voilà, tranquille. Vous inquiétez pas, chat. Il faut qu'on rattrape Laineriar. Jill doit être prisonnière, près du roi. Non mais oh, attendez. Le navire est pas encore prêt. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais les pièces que j'ai ne sont pas assez robustes pour la puissance du moteur à mithril. Y a pas une solution? En y réfléchissant, ça serait étonnant que mon père ait pas trouvé une solution à ça quand il a conçu ce moteur. Il devait avoir des pièces spéciales. Ça date un peu, mais on avait rapporté des objets trouvés dans les décombres de l'ancien repère. C'est Otto qui s'est occupé de les trier. Peut-être qu'on pourrait trouver une piste en fouillant un peu là-dedans. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Vous allez préparer le départ. Moi, je vais voir Otto. Clive, tu dois encore te reposer. D'accord. Je me reposerai après ça, c'est promis. Punaise. Bon, on retourne au repère, on va parler à Otto, on essaye de trouver les pièces manquantes et let's go. Merci Kira Mishima pour les 59 mois et Yuramar pour les 17 mois de sub. Merci beaucoup. Merci. Une lueur d'espoir. Alors, Gab m'a dit qu'Otto savait quelque chose. Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Canberra? Je m'inquiète pour Mid et les autres. C'était déjà compliqué de sortir avant, mais avec tout cet éther stagnant et les éthériques, c'est quasi impossible maintenant. Oui. Clive? Tu es de retour? Que s'est-il passé à Canberra? On tient bon, mais c'est une longue histoire.
Non mais il faut qu'on aille sauver Jill, mais... Eh ben dis donc, je peux dire que je m'attendais pas à ça, bon sang. Mais au moins tout le monde est en vie. Pour ce que tu cherches, je suis désolé, Clive, mais je vois pas de quelle pièce... Tu as des affaires de l'ancien repère, je crois. Oui. On a pu sauver un bon nombre d'objets et de bricoles des ruines, qu'on a en grande partie réutilisées ici. Les affaires plus personnelles ont été remises aux proches. Concernant celle de Sid, il faut voir chez Mid. Dans son atelier, donc. Ouais, mais elle saurait, Mid, s'il y avait des trucs dans son atelier. Bon. Chercher la pièce manquante. Bon, bah, on va voir, hein. C'est terrible. Embrune et le bourg du Saint-Secours ont disparu sous les terres. Tu sais où on est mis, toi, avec l'entreprise ? Attends. T'as pas vu les pièces détachées l'autre jour ? Sur le pont ? Ça va être énorme ! Examinez les documents. Ça m'a l'air d'être le journal de Sid. Mais s'il est là, c'est que Mid a déjà dû le lire. Voyons ce qu'il y a d'autre. Coucou Igami, bonjour à ceux que j'ai loupé, hello. Oh, bonjour Sid. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Vous cherchez des pièces ? Bah ouais, si je cherche des pièces. Attends deux secondes, je lis un truc. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Du tabac. Aucun intérêt d'en apporter à Mid. Oh, ok. Merci Gashtrash, merci beaucoup pour les 9 mois. J'ai déjà vu cette poupée dans les quartiers de Sid. Elle devait être à Mid. Une poupée, ça ? Il y a un papier dedans. Mamie, chérie, papa a été surpris en voyant ta première invention et elle restera son trésor. Il a mis un autre de ses précieux trésors dedans. Papa est certain que tu avais en train des merveilles qui réaliseront les rêves de tout le monde. Il croit en toi et sait que ses rêves seront aussi exaucés grâce à toi. Sid. Oh. Ça parle du trésor de Sid. C'est un bon début. Sid aurait caché quelque chose dans la première œuvre de Mid. Qu'est-ce que ça peut être ? Demandons à Otto. J'ai appris que Canver avait été attaqué. Alors, t'as trouvé quelque chose ? Bien possible. Saurais-tu ce qu'est la première création de Mid ? Voyons. Quelle était sa première création ? Ah oui, ça doit être l'orchestrion. Elle ne devait pas avoir plus de 11 ans, voire 12, quand elle a construit cette machine. On était bouche bée. Surtout son père. T'aurais vu comme il était fier de son boutchou. Et quel est le rapport avec ce qu'on cherche ? Je pense que Sid a dû cacher une pièce dedans. Ça m'étonnerait pas. Non mais, enfin... Bon, tu n'as plus qu'à aller vérifier. L'orchestrion n'a pas bougé, il est toujours dans le réfectoire. Ce serait vraiment beaucoup de chance que le truc qu'a caché Sid dans l'orchestrion serve à améliorer l'entreprise, le gros bateau, hein, quand même. Ce serait vraiment, vraiment beaucoup de chance. Mais bon, avec un petit peu de chance, on va voir, hein. Je l'ai pas cassé. Moi, je l'ai pas cassé. Ah. De quoi est-ce que vous parlez ? Rien. On n'a rien cassé du tout. On n'a pas cassé l'orchestrion. Pourquoi ? Il ne marche pas ? On dirait. Il marche ? Et puis non.
Ah. Tu vois ? Et vous n'avez touché à rien, tous les deux ? Non, rien fait. On a juste voulu mettre toutes les chansons en même temps. Alors on a appuyé sur toutes les touches. Ah. Comme ça. Tu vois ? Ah, c'est jeune. Allez, poussez-vous de là. Là, il y a quelque chose... J'aime trop le fait que ça coupe vraiment la musique du jeu. Tu l'as cassé ? Ça va aller ? Non, enfin, oui. Bon, ça dit quoi, là ? Ouais, y a du son ! Tu l'as réparé ! Mais ça, c'est nouveau ? Oui, c'est nouveau. Non, jamais entendu celle-là. Cette musique s'est lancée quand j'ai retiré ce... ce truc bizarre. Ça doit être la pièce. C'est bien ça, le trésor de Sid, ouais. Il me l'avait montré, ça me revient. Il l'avait appelé l'ultime pièce de son rêve. Voilà la pièce manquante de l'entreprise. Ah, comme par hasard. J'espère. Allons voir si nous pouvons concrétiser son rêve. C'est la pièce manquante de l'entreprise, ça ? Ok. Très bien. Oh bah alors, ça va, Tipak, c'est pas vrai. Vlatipak, c'est pas la pièce qui nous manquait. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Quand même. Incroyable. Ça, c'est un sacré coup de bol. Ah, je vous cherchais. C'est urgent. T'as rien ? Qu'est-ce qui se passe ? On a un petit souci. Notre prince s'est sauvé. Dion le sage. Ah. Oui, il s'est fait la malle quand j'avais le dos tourné, figure-toi. Ouf, envolé. Avant d'aller acheter une barque à Obelos pour ne pas rentrer à la nage, il a quand même laissé un message. Tu veux partir à sa recherche ? Non. Il a tout un empire sur ses épaules. Il a sûrement ses raisons. Le pauvre, il aurait mieux fait de rester au lit. Il est encore très loin d'être guéri. Tout comme toi, j'imagine. Otto m'a raconté tes déboires à Canvert. Je me demande pourquoi les princes détestent autant récupérer. Je demanderai à Joshua. Je dois retourner à Canvert. Alors essaye au moins de ne pas trop forcer. En tout cas, tâche de rester en vie, hein ? Oui. Je ne peux pas rester ici, alors que l'Aineriar continue de s'éloigner. Je dois me dépêcher. Bon, allez. On va aller au chantier, via la map monde, on retourne là-bas. On traverse quand même beaucoup de terrain, hein, à chaque fois. Hein. On fait un voyage rapide, là, comme ça, mais au final... Gigian, c'est loin, hein. J'espère qu'il boit assez d'eau, moins que live. J'avoue, j'espère aussi, hein. Chantier naval des forges. Par contre, le navire, il est incroyable. Je crois que ça va le faire. Beau travail, Mid. Il avait peut-être prévu que tu retrouverais tout ça, qui sait.
On va les rattraper ? L'Einer Yar est à la pointe de la technologie et très rapide. En cette saison, le vent est en leur faveur. Un bateau normal n'aurait pas la moindre chance de le rattraper dans ces conditions. Mais ce navire est spécial. Car ça, c'est l'Entreprise ! Le moteur à mitril de mon père a des capacités exceptionnelles. Oh, je n'en doute pas. Ça, c'est l'Entreprise ! Clive, que sais-tu de Barnabas Tarn ? Seulement ce qu'en chantent les bardes. Il est arrivé d'un lointain continent par la mer, et qu'il a réussi à devenir roi à la seule force de son épée. Zantetsuken, la lame d'Odin, peut trancher même le plus dur des diamants. Mais ça ne nous mènera à rien de nous torturer l'esprit. Concentrons-nous sur notre objectif. Tu as raison. Éteins ça ! Oh purée. Merde, je crois qu'ils nous ont trouvés ! Oh non... Vite ! On nous attaque ! Quoi ? On va les retenir pendant que tu prépares le navire ! Mais fais vite ! Rat de cale ! Les gars ! Tous à vos postes ! Oh là là. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêts pour quoi ? Oh ouais, ouais, on est prêts. Ah mince. Ah oui, d'accord. Ils arrivent. Non mais alors attendez deux secondes. Non mais c'est bien beau tout ça. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas mis mes Philips Hue. J'ai pas synchronisé mes Hue Sync avec la lumière de mon écran. Il faut que je fasse ça vite fait là, vite fait, pour que ce soit plus sympa quand même. Non mais attends, on est où là ? Ouais, misère de misère. Impossible de se connecter. Ah bon ? Ah bah peut-être qu'on va pas y arriver en fait. Bah oui, pour que les lumières, elles, parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, ma caméra, elle est trop jaune et tout, vous voyez ce que je veux dire ? On attaque, t'en mords, je synchro mes Philips Hue. On fait ça, là, ils sont en train d'attaquer, mais vous inquiétez pas, on fait la synchro. Pam, 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 pam. Ah la 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 la. Il a besoin qu'on gagne du temps pour elle. Restez derrière, c'est reçu. Moi, je m'occupe de ces pots de colle. Derrière toi, la gouvernance de ma célèbre hache de géant faisait trembler tous les hommes du continent autrefois. Qu'est-ce qu'elle raconte, Mid ? Bougez-vous l'arrière-train, mais laisse faire les autres pour venir par éclater si on se fait. Tout de suite !
vas-y, ce gros... ta grosse masse, là. La 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 la... facile. Aïe aïe. Ça va déjà mieux. Eric vaincu. Un combat vraiment instant caméra. J'étais... Non mais vraiment, j'étais coincé entre un tonneau et le mur en bois. On s'en tire pas mal. Allez, Melafiar, montez tous à bord. On va larguer les amarres. C'est un ordre du capitaine. Allez, let's go, les Lascar! J'arrive? Oh non! Qu'est-ce que quoi? Oh, quoi? Mais je le croyais mort. Mais wesh, mais... Oh, c'est la version éthérique! J'ai compris! C'est ça que je ressentais. Sleipnir n'est pas humain, Clive. C'est une entité magique créée par Odin. Ton quoi? Oh, oh, oh non, oh là là. Non. Mais par tous les diables, vous ne pourriez pas avoir des ennemis normaux. Oh là, ça nous aimerait bien. Prêt à remettre ça? Bien sûr que oui. Faut pas me le dire deux fois. Mon garçon, il fut un temps où j'avais pour surnom. Coucou, Calcifer, bonjour. Bande d'erreur de la nature. Tremblez, on va vous massacrer tous autant que vous êtes. Hé, tu m'entends? Par devant, on arrive. Hein? Non mais vous êtes fous ou quoi? Oh, bon d'accord, levez l'ancre. Enfin, pars pas trop vite parce que... En avant, vitesse réduite. Prudence, mes amis. Les aiguilles sont bien plus dangereux que des éthériques. Ils n'en viendront pas à vous facilement. Oh non, mais ça va! C'est de la gnangnan! Petit bois! S'ils me cherchent, ils vont se trouver! Non, mais c'est de la gnangnan, ça ne peut pas. Voilà, voilà. On en a autant que tout à l'heure. C'est pas le moment de compter. Il faut qu'on tienne, c'est trop. Je sais bien, mais elle commence à fatiguer la famille nombreuse. Par ici! Vérification par le feu. Voilà. Encore. Essayons de tenir au maximum.
c'est trop. C'est quand tu veux, Clyde. Ok, allez-y. Oh, joli Byron. Oh wow, le saut. Fait une Margot pas drôle, ouais. Mère de Naldia. Lainer Yar, navire amiral de Valeud. Merci le Vioque pour les 59 mois, merci beaucoup. Merci, merci le Vioque. Oh non, Jill, fuck. Que voulez-vous ? Ce n'est pas une façon de traiter ces geôliers. Tu te fatigues vraiment pour rien. Tu vas servir d'offrande pour Mythos. Alors, tiens-toi tranquille. Oh. Allez, activez-vous un peu! Je vous rappelle que pendant que nous perdons du temps ici, Lainer Yar prend de l'avance! J'avais su que je me retrouverais à ramer comme au bon vieux temps. Depuis que je t'ai retrouvé, c'est chaque jour de nouvelles surprises, décidément. D'autant que tu t'es mis à dos des ennemis sacrément dangereux, Clive. Tu comptes sérieusement les combattre jusqu'au bout, malgré les risques? Oui. Je veux que tout homme puisse vivre librement. Pas question de renoncer. Ah! Tu sais, tu as le même air obstiné que ton père lorsqu'il se mettait quelque chose en tête et qu'il n'en démordait pas. Cela dit, même si je vous aide, je ne suis qu'un seul homme. Ce n'est pas ça qui fera la différence sur le champ de bataille. C'est pour ça que je m'en vais demander de l'aide à un vieil ami à Randella qui pourra mobiliser des soldats d'Almec. Tu sais, Clive, j'ai encore tout un tas d'anecdotes sur la jeunesse de ton père. Et je compte bien toutes te les raconter, alors ne t'avise pas de mourir. Compris ? Pas de soucis. J'en serais ravi. Alors, bonne chance, mon oncle. Quant à toi, Joshua, ménage-toi. J'y veillerai, mon oncle. Je vous ramène une armée, c'est promis. Essayez de tenir bon jusque-là, mes chers neveux. Oh, Byron. Bon vent.
Qu'est-ce qu'on se marre ? Salut Dino. Allez, on se relâche pas. Oh punaise. Bon. Pas question de le laisser faire tout le travail. On va lui montrer ce qu'on sait faire. Mais charneux. Port Gémeaux, ancien dominion du cristal, territoire impérial de Sambrec. Oh purée, Dion. Ce n'est pas possible. Oh bah là. C'est moi qui... Oh, le pauvre. Et qu'ai-je fait? Oh là là, le pauvre. Excusez-moi, je fais un test. Pourquoi ça se synchronise pas ? Je comprends pas. Bon, écoutez. Bon. Let's go. La ville n'a pas l'air en forme. Après le passage de Dion, ça a été très compliqué, ouais. Le cap de Valeud, ils seront obligés de longer Zemeckis pour traverser le détroit. Actuellement, nous nous trouvons à cet endroit. Avec notre vitesse actuelle, on devrait les rattraper. Ils ne risquent pas de contourner le Gris-le-Vent par le sud ? C'est une voie bien trop périlleuse, surtout en cette saison avec le vent du sud-est. Je te garantis que Mid sait ce qu'elle dit, Clive. Ils ont mis le cap au nord en quittant Canver. Il n'y a plus qu'à les suivre et c'est bon. On les a rattrapés! On les tient! Bougez-vous, les gars! En avant toutes! Et gardez les moteurs à plein régime! Eh ben. C'est eux, non? Oui. Oui, c'est plus rapide, en effet. Vous tous! Branle bas de combat! Eh ben. Montrons-leur ce que ce navire a dans le ventre. Alors, Mythos, tu es venu chercher mon offrande. Oh là là, mon offrande, toi. Elle est toi et d'une solidité à toute épreuve. Je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rompre, mais loin de faiblir, il est en réalité devenu plus solide que jamais. C'est fascinant. Oula ! Oh ya ya ! Nous verrons. S'il sera capable de résister à ma lame.
nom d'un renard pâle! Oh la vache. Punaise de punaise. Ils vont se battre ? Bim. Bon. Tiens, mon Jill, je vais te sauver. Ok, c'est parti. On va secourir Jill là, on en peut plus. Ah, on en peut plus là. Oh là 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 là
Joshua, j'arrive. Alors tiens bon. Apportez les frères. Allez, tu meurs, ça suffit maintenant. Nos ennemis en approche. Oh là 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 là, on est où là? Ce sort hein, vraiment. Allez, encore une fois, hop. Hop, voilà. Je pense. Oh non. Il l'a esquivé. Phénix. Oh non. Si tu es un des fils du feu, alors prouve-moi que tu maîtrises les pouvoirs dont tu as hérité. Choix.
Mais non, Stradishnikov, comment tu vas? Ça fait longtemps, bonjour. Tu vas tenir le coup? Je pense, oui. Bonne nuit, Jinbei. Oh là là. On est coincé. Oh là. Ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait à Joshua? Oh, Phoenix. Eh bien, il s'en sortira sûrement. Qui aurait cru que le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste? Il est impossible de le rompre aisément. Je comprends que le maître éprouve quelques difficultés. Le monde sera bientôt recouvert de noir. Oh là. Et à ce moment, tous les êtres vivants seront anéantis. Nous allons mettre fin au fléau noir. C'est dans ce but que nous détruisons les cristaux mères, pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin? Nul ne saurait arrêter le fléau. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux et accomplir ton destin. Jamais. J'ai juré de me battre pour mes convictions. Tu te laisses encore entraîner par cette ridicule volition. Ah là 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 là. Alors, je vais te révéler ton destin sacré. Il est grand temps que tu comprennes. Approche, Mythos. Jill, il faut te mettre à l'abri. Clive, non! Ça ira, promis. Aïe, 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 aïe. Ouais, oh, ouais, on n'est pas prêts, oh. Je vais en finir avec toi. Quelle témérité. Mais je suis là pour te dresser, pour te rappeler quel est ton devoir. Prends ça. Bien essayé. Titan. Faut te discipliner. Tu as bien progressé depuis notre dernière rencontre. Je suis impressionné. Mais comme réceptacle, je crains que mon maître ne te trouve encore déficient. Tu prétends détruire les cristaux mères. Dans le but d'arrêter le fléau. Une idée imbécile que t'a donné un imbécile. Comment oses-tu? Tu ne sais rien de la nature de ce monde, ni de la place que tu y tiens. Nul ne saurait changer son destin aussi facilement. Tu ne peux l'ignorer. J'en ai assez vu. Si tu t'obstines à refuser ton destin, je vais devoir avoir recours à d'autres biens. Je ne veux que te libérer. Bien essayé.
terminée. Je te rappelle le rôle qui est le tien. Aïe 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 d'espoir dans tes sous-scènes. Oh, aïe 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 aïe. Ah, c'est pas cool ça. Tu abandonnes déjà. Comment ça, dommage Rip? Attends, mais quoi? C'est fini, mais non. Ne comprends-tu pas? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voie. Mais où veux-tu donc en venir? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin, qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du Maître. Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça. Cette puissance divine est incommensurable. Elle est si intense qu'elle consume tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé. Les primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos. Tu as le pouvoir de plusieurs primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi ? Que veux-tu dire ? C'est pourtant simple. Les primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça? Mythos, ta conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémores pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mansuétude, a pris les hommes en pitié et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous? Je parle de loyaux serviteurs de Dieu. Non. Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire! Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde, et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions! C'est vraiment curieux, quand vos volontés s'embrasent, les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive!
Clive ! Oh là 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 là. Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative, sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée, mais le résultat est le même. La côte est proche. Je vais geler la voie. Tu vas y arriver. Il faudra bien. On n'a pas le choix. Dépêche-toi. Non mais comment ça, combat terminé, on venait de commencer. Alors c'est pour ça que j'ai gagné plusieurs niveaux à chaque fois et que j'ai en effet, j'ai peut-être oublié de mettre mes points dans mes compétences. Possible. Faute de jet. J'espère que les autres vont bien. L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Attendons jusqu'à demain. Où sont les vêtements ? Ah, ils sèchent. Pardon, excusez-moi, c'est vrai. Bah, oula, oui, d'accord, ok. On a loupé un épisode. Ça a encore eu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force. Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner, à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Non, vous êtes en train de me dire, ils sont en train de discuter d'Ultima et tout, là, comme ça, pépouze, sans... Non, là, là... Oh. Non, là, on nous prend pour des pigeons, là. Là, on nous a sauté un épisode, là, c'est pas possible. Non, vous êtes en train de me dire, ils sont en train de parler de la destinée du monde. Non, c'est bon, vas-y, c'est bon. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne céderas jamais, j'en suis convaincue. Non, mais je remets, il n'y a pas de souci. Tu le sais, mais tu n'as pas peur de tout ça. Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en Ifrit, qu'il s'empare de moi. Quand bien même, ça ne change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. D'où ou de qui te vient ce pouvoir, tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres. Et sauver des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin? Est-ce que c'est ça mon rôle? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste, alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Moi ? Non, je rigole. Clive, ah, moi, pardon. Toi ? Il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive. À ton propre bien-être. À tout moment. Non mais... Oh là 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 là. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais.
Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Je pète mon crâne. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. C'est trop mignon, en vrai. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Oh ! Jill. Je respire plus. Sûr. Je crois savoir ce que je dois faire. Oui, oui. Bah, quoi ? Comment ça ? Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis. Oh, le fromage bleu, merci de... Merci le fromage bleu pour ton... pour ton abonnement Prime. Alors, je te le demande. Laisse-moi aussi porter tes fardeaux, Jill. Laisse-moi te libérer de ces chaînes. Laisse-moi te soulager. Clive. Mon sang ! J'en fais le serment. Je combattrai ce destin injuste de toutes mes forces jusqu'au bout. Il le faut. Pour être à tes côtés. C'est trop mignon ce qu'ils disent. Je te promets qu'on pourra encore admirer la lune. Tous les deux. Moi aussi, je te fais une promesse, Clive. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons toujours, toi et moi. Merci. Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est toi, Jill. Oh les gars, je respirais plus. Oh, oh la scène de zinzin. Oh punaise. Oh. Non là, c'est bon, ils se sont tout dit là, c'était trop. C'est waouh.
Alors... Chronos, il dit, cette scène était quand même giga bizarre à parler à poil pendant 20 minutes. Alors oui, certes. Certes, c'est vrai que... Certes, c'est vrai que... Bon. Et Barnabas ? Est-ce qu'on le poursuit ? Non. Je pense que nous le croiserons de nouveau. Que nous le voulions ou non. Et puis... Nous avons quelque chose de plus important à faire. C'est trop mignon ! Je sais. Échindrak. Détruire le dernier cristal. L'Aineriar a sombré corps et bien. Valeud n'osera jamais attaquer sans lui. Vous me faites rire. C'est sûr qu'ils vont nous attendre. Réfléchissons. Et essayons de faire le point. Alors rentrons chez nous, au repère. Pour mieux revenir ici. Y'a Yann qui dit « Non, viens, on monte une auberge !» Non, viens, on abandonne, on sauve personne et on monte une auberge. On fera un bed and breakfast. C'est bon, j'ai fini le jeu, les gars. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose de continuer alors qu'au final, le vrai jeu, c'était de savoir quand est-ce qu'ils allaient s'embrasser. Franchement, j'ai l'impression que maintenant, on est dénué d'objectif principal. Hein. Vraiment... Non, go PUBG, franchement là... Non, c'est vrai que... C'est vrai que quand j'y pense, la scène où... la scène où ils se font face, tout nu, en mode... Mais Ultima, mais qu'allons-nous faire donc? Laisse-moi te décharger de ton fardeau et aspirer ton pouvoir. C'est vrai que... C'est vrai... Excusez-moi, c'est nerveux. C'est vrai que... Bon, quand même, pas à nous, hein. Et le fromage bleu qui s'abat à ce moment-là, c'est vraiment trop... Hein. Bon, allons au repère. Voilà. Moi, ça me choque pas, personne ne fait ça ici. Non, si. Si, si. Si, si, tout le monde fait sécher son linge et parle 20 minutes tout nu à son giga crush, bien sûr, avant de... Il a fendu la mer en deux. Bien sûr, bien sûr. C'est en tout cas ce que Mid nous raconte. Si c'est vrai, vous revenez de loin. J'ai encore du mal à y croire moi-même. Je ne vois pas ton oncle avec toi. Il est resté sur l'entreprise. Je lui ai demandé d'aider pour les réparations et le réapprovisionnement. Dans un port qu'il connaît bien, près de Randella. On pourra sûrement quitter le port quand on le rejoindra. C'est pas risqué, ça ? De ce que je sais, la zone est submergée par des hordes d'éthériques. Humains comme monstres sont malheureusement atteints. Ce n'est pas de tout repos pour lui. C'est un sacré personnage, ton oncle. Il se laissera pas faire aussi facilement. Et j'aimerais qu'on lui apporte tout notre soutien. Et c'est le minimum. On lui doit tellement. Je compte sur toi. Non mais la scène était archi poétique par contre. Au-delà de la mère de Naldia, très bien. La scène était giga, méga... Oui c'est... Bah voilà, Shiva, voilà. Clive vient d'absorber les pouvoirs de Shiva. Bien sûr, nous avons tout vu. D'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les délais des compétences et des talents... Pardon, pas les délais, les détails, excusez-moi. Des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet blablabla. Bien sûr.
Le talent de Shiva, glisser de Shiva, permet de se rapprocher rapidement d'un ennemi. Ou bien de l'éviter en se déplaçant rapidement dans n'importe quelle direction. Je devrais aller voir Joshua. Non, la scène était... Il est encore à l'infirmerie. Très poétique. Presque trop poétique pour être réel. Mais c'était très poétique. Oh punaise. Imaginez pendant un acte, soudainement vous commencez à réciter le rouge et le noir de cette balle. Comment tu te sens, Joshua? Oh purée. Je me sens bien mieux. Il ne faut pas non plus t'imaginer guéri. Tes blessures ont disparu, d'accord? Mais ton corps est encore bien loin d'avoir récupéré toutes ses forces. Je n'avais pas le choix. Face à un adversaire comme Odin, j'étais obligé de me battre de toutes mes forces. Et au final, ça n'a malheureusement pas suffi. Il avait le dessus. Et si je suis encore en vie, c'est uniquement parce qu'il a finalement choisi de m'épargner. Non, tu te sous-estimes. Je ne pouvais rien faire. Odin et moi, nous avons beau être tous les deux des émissaires, la différence est flagrante. Je suis désolé, Clive. Je dois me ressaisir. Nous sommes dans une situation d'urgence. Alors que nous parlons, le nombre de victimes augmente. Aussi, je suis sûr que Dion n'a pas renoncé. Fabrice. Mais c'est quoi ce délire? Ils se parlent alors qu'ils ne sont même pas nus. Quelque part dans un quartier défavorisé. Il y a rien qui va dans ce jeu. Oh, purée. Tiens, un homme presque nu. Par contre, moi, Dion, il me fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Il me fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Genre, il est revenu sur l'épisode catastrophique qu'il a causé. Où est-ce que je suis? Il s'en rappelait pas. Aïe, aïe, aïe. Je reviens. Mais non, on sait pas où est Terrence. Enfin, je crois pas. Où il me semble que Terrence, ça s'est pas très bien terminé. Enfin, je sais plus. Pas de certitude, en tout cas. Pas de certitude. Enfin, je débarque pendant la scène de la plage. J'ai cru que c'était comme ça tout le temps. Non, les personnages ne sont pas toujours nus quand ils se parlent. En effet. Venez, vous devez avoir soif. Il paraît que mettre ses lanternes sur des barques aide à guider les âmes des morts vers l'au-delà. Ma grand-mère disait ça quand elle était encore là. Agit dans l'ombre pour détruire le monde. On dirait bien que j'ai agi comme un pantin d'Ultima. Non, en fait, j'ai baissé ma garde. C'est moi qui suis responsable.
ça, il faut me racheter. Vos blessures ont l'air de guérir. C'est grâce à mes remèdes, vous savez. Tu as envie ? En tout cas, j'essaye. Ça me permet de manger, d'habitude. Pardonne-moi, je n'ai rien à te donner. Je sais, mais c'est bien normal de s'entraider. Vous partez déjà ? Je vais mieux. Je rentre. C'est grâce à toi, je te le revaudrai. Alors je vous souhaite bonne route, Seigneur. Oh. Red Dion Rédemption. Il est BG Dion aussi, hein. Oh là 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 là. Phénix. Je crois bien que je te dois une fière chandelle. Tout le monde est BG dans cet univers, ça m'énerve. Ouais, c'est vrai que oui. En effet. Bonne nuit, Gami. J'espère que Dion s'en est sorti. Tu comptes te rendre rapidement au Gris-le-Vent, n'est-ce pas ? On a assez perdu de temps. Je vais me préparer alors. Impossible de t'arrêter, mais prends au moins tes remèdes. C'est vraiment le strict minimum. Bien sûr, chère Taria. Déjà prêt pour repartir alors ? Combien de temps faut-il pour aller au Gris-le-Vent ? Ma foi, on y sera en quelques jours avec l'entreprise. J'ai demandé à Byron de nous procurer une carte maritime précise de Naldia. Le problème va être de trouver où accoster, non ? Oui, la totalité du Gris-le-Vent appartient à Valeud. Il ne faudrait pas que l'entreprise se fasse attaquer. C'est un risque en restant trop près des côtes. Nous devons donc nous renseigner sur les Valeudois. Et c'est bien sûr à Viviane qu'il faut demander. Mon professeur ? Je vais aller l'avertir. Pendant que tu prépares ton plan, je vais faire un tour chez notre autre prof. Je dois éclaircir certains points sur Ultima. De mon côté, je demande à Caron ce qu'on peut apporter. On aura besoin de bien s'équiper pour là-bas. Tu sais, ton frère va finir par atteindre ses limites à ce rythme. Ménage-le, s'il te plaît. Je sais. Oh, Bobrisme, on aurait des vents que je prends sur Mythique. Oh. Oh non. Oh non, feels bad. C'est vraiment vrai que... Il faudra qu'il me donne sa marque de lessive parce que ses vêtements toujours blancs après tout ce temps, c'est le vrai miracle de cette histoire, c'est vrai. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Il est 2h du mat. Je suis outred. Je suis outred par l'épisode qui s'est passé. Déjà, ouais, déjà, ouais, il est déjà 2h, mais on continue demain ou je sais pas quand. Merci Vivi Dono pour les 15 mois d'abonnement, merci. Purée, on a eu la scène. On a eu THE scène, quand même. On a eu THE scène. Mais vraiment, pas qu'à moitié. Hein. Là, c'était vraiment genre, ils ont mis le paquet. Hein. Et vas-y qu'il y a des étincelles dans tous les sens et que ma vie sans toi ça veut rien dire et que vraiment là c'était waouh. Tant attendu en œil la totale, ouais. Ah ouais, c'était un all-in. Vraiment. Ah bah super, mon écran s'est éteint.
Attendez, je ne peux plus accéder. Hop. Ok, c'est bon. Oh, punaise de punaise. Câlin plus nu plus bisous, même dans nos rêves les plus fous, c'était impossible. Plus histoire des forces électromagnétiques en plus. Oh là 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 là. Puis il l'a libéré de son fardeau et il a partagé Shiva, quoi. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Ouais, c'était trop bien, purée. Bah ouais, je suis choquée. Je suis choquée, mais pas déçue, vraiment. Hein. Choquée, très loin d'être déçue. Punaise de punaise. On a eu le méga bisou, là. C'est trop bien. J'ai rien raté, ouais. Punaise de punaise. Merci beaucoup, tout le monde, pour le live. C'était trop cool. Trop bonne session sur FF16. Comme d'habitude, ce jeu est incroyable, JPP. Ce jeu est vraiment trop bien.